Ouais. Je sais plus si vous aviez été au nuke dans ta game où tu jouais à... Ouais, on avait été au nuke. Enfin, moi, j'en ai pas donné parce qu'on m'avait dit que ça me ferait baisser 3 activités. Je m'en étais pris au 10 000. Non, merde. Fin d'électricité. Ah. Aïe, merde. T'es plus ? Oh ! Non, c'est quelqu'un qui a pas d'électricité. Non. Non, je disais pour l'aise qui a foutu de l'eau partout. Oui. Sais. C'est bon. Ok, j'ai go. Oui, parce que ça veut dire que vous avez plus d'internet et ce genre de choses. Oubliez pas de valider le congrès qui a mis la pause. Eh ben, du coup, t'es plus. Pardon. On est bon ? On est bon. On est bon, du coup. Ouais. Bon, j'espère que je vais pas me faire voler. Terracotta. Et du coup, l'ai-je à imprimerie, combien de tours ? Moi, j'ai 5. Ah, bah, si tu peux le boost, ça serait top. C'est qui qui a 5 qui a dit qu'il avait 5 Koubi. Ouais, bah vas-y, Koubi. Koubi. Bon, on a eu. Je vais m'arrêter, moi. Et du coup, château. Hop, ces unités, elles ont fait le taf, elles reculent. Oh, il y a eu un petit clutch hein, là, quand même. J'ai Terracotta dans 2. On a récupéré FS. Perdu 7 émissaires. Ouais, mais moi je l'ai récupéré. Ouais, c'est bon. C'est bien, mec, hein, t'inquiète. Moi je suis en gameplay pillage, là je vais pas me tuer si j'ai pas la carte, donc je vais devoir mettre la carte. Des gouttes. Des gouttes, mais réalité. Mais bon, il a raison quoi, donc fais chier. Ouais, c'est ça qui est chiant, exactement. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il a raison. C'est ça qui est chiant, mais je suis d'accord. Parce qu'en plus il parle avec un petit air des fois. Même pas trop quand il parle. Il te prend de haut, mais en fait il a raison donc. Est-ce que c'est vraiment de haut? C'est pas sûr parce que c'est un peu un con, quoi. Mais bon. Oh là 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 là, mon ami Aztec qui protège pas ses cases, c'est dommage. Moi, mon move c'est de push Aztec, hein, je pense. Tue avec moi les coursiers là, comme j'ai dit. Non, mais moi le coup il aille. Non, c'est ouais, okay. T'inquiète, c'est pas. Au lieu d'aller comme un débile sur le Zulu, qui est choc. Ah non, le Zulu, ça va être chaud en plus, c'est bien dans sa game, mais faudrait le deny un peu en vrai. Alors, la carte des pièges, est-ce que je l'ai ? J'ai la carte des pièges, incroyable. Ouais, merde. Oh, mais mon grand, mais non, mais laisse pas tes cases ouvertes. Mais non. 2, trash talk pas trop. Moi aussi, j'aime bien le trash talking, mais bon.
Noté. J'en viens up un ou deux arbas. Retour imprimerie. Plus de gold, la perse. Je sais pas si t'as besoin, je sais pas si t'as besoin de gold. Mexico. Mexico. Mexi. Non. C'est ça normalement. Ah, si. C'est ça, c'est ça à peu près. Si. Ah, si moi je. Ouais voilà toi aussi tu tentes. Et t'es là, c'est dur en fait. Merci Louis. Ici je pille, ici je pille, ici je pille. Imprimerie combien? 2. Dans le monde. 2 aussi. J'ai plus de cheval. Mon royaume pour un cheval. Hop là, c'est l'espagnol. Ah, il me faut des chevaux. Ouais, moi aussi. J'ai envoyé l'espagnol. Et 6. Bon, voilà, je vais me rester 4. Oulala, beaucoup de trucs à jouer. J'ai une son rap sur l'Espagne, si vous voulez être en plus quelque chose. Je prends. Vas-y.
Vas-y, ils l'ont pas vu du coup, elle est cachée. Non, ils l'ont pas vu. Benoît, tes chevaux. On va le deal. Un tour à fonderie. En deux tours, j'offre mes coursiers. Dans deux tours, j'offre. Résulte. Ok. J'aurais bien voulu up un petit peu, mais j'ai pas les cartes. Pour up mes coursiers. Ok.
Bon, on va regarder le prochain. Après. Moi je te demande les sous, mais ça va être incroyable. Tu sais que c'est l'argument qui marche bien. Ah ouais, je sais bien. Ah, ça on se connaît, toi et moi. Et comment t'as le ressentiment hein? Je peux prendre une cité d'état à quelqu'un, soit Mascat, soit autre chose. Petit Gotti. Comme vous pouvez le savoir, mais... le sang. Hein. Peut-être Mascat, savais... non? Parce que Mascat, elle est sur celui qui a des plats de corps. Donc. On fait pas du bonus. Allez. Je reprends Mascat. Moi, je conteste. Ah, j'ai un bonus pour taper dans la ville, moi, en fait. Bah, c'est vrai, ça. Trop marrant. Ah, grave erreur d'avoir retiré la carte de pillage.
Elle est forte hein, cette carte. Elle est bien. Comme bonus, ok. Le français a pas la militaire, c'est normal. Enfin, le pardon, Aliénor a pas la militaire. Qu'il est frissé. Un souci, ça. Bah, non. Ah oui. Ah oui, c'est juste, il y en a un qui a pas la militaire. Oh, le pauvre. J'arrête de le push en fait. Pourquoi te faire? Tu pousses le français là? Je suis dessus. Je suis voilà, je suis sur le bouton là. J'appuie au moment où vous me parlez. Ça se voit sur CFR. Coudre à canon dans 2. Quelqu'un est parti sur éducation? Ah, Benoît, c'était quelqu'un qui est parti sur éducation, non? Deux tours. Et nous, il y a Newton. Pour neige. Enfin, pas de. Pour neige de fond. J'aurais peut-être le projeter, non? Bah, au mieux, dis donc, mais. Termine le colisée et puis je projette. Ouais, je m'en veux pour le général. Grenade, je vais récupérer ça. Il y a un peu de gold, dis donc. Vas-y, je suis la banque. Officiellement, tu es la banque. C'est pas ça les trades externes, dis donc, Espagne? Ouais, encore, c'est un peu loin. Non, j'aurais bien voulu avoir la scientifique avec les. Ah ouais. C'est pas grave, hein. Dans la canon next, je sais pas si quelqu'un d'autre est dessus. Non, vas-y. Le français, français est poussé. Ah. On y va sur le français. Ah, hein. Oh, je suis dessus. Sur ses genoux. Désolé pour ma game, hein. Moi je jouais avec mon caca depuis le début là.
En retard sur tout. On en a tous fait des comme ça, c'est t'inquiète. Pas dans ma zone de confort. Mais c'est bien. Ça va encore, non? Je vais essayer de faire du gold sur la cité d'État. Et 54, ils ont arrêté de scale. Déjà ça. Ah, il a les murs, c'est chiant, j'ai pas de. Oh non. La stack à Newton. Oh non, je pensais pas qu'il y avait les PM pour ça. Là, je me suis fait tout slime. Ouais, c'est bien. On a bien fait chier, mais bon, ce sera pas assez pour la game.
Moi je vais pas pouvoir prendre Marseille, je suis désolé. J'ai pas pensé au Kata ou au Bombarde. Ouais, comme tu disais, les coursiers sur Nottingham auraient pu être peut-être un petit peu mieux. J'ai conseillé d'aller sur le français, mais bon. Je vais faire ça hein, maintenant. Ça encore. J'aurais pu le jouer. Ouais, c'est chaud, je suis en cache contre chevalier 2 étoiles. Pas de frontline. Ok. Pas agréable ça. Ouais. Bon, ça fait un peu gold enfin. J'aurais dû aller sur Nottingham, Bradford, au lieu d'aller sur le français. Mais... Ah, t'es pas encore sur Indus, disons. J'y arrive petit à petit. Donc, ok, ok. T'inquiète. La Mongolie, le Perse, prenez le général. Nice. Ouais, merde. Tu l'as eu ? Ah merde. Ouais, je l'ai eu. Ok, c'est très bien, très bien. La guerre ? On va envoyer du caca sur la steak. Ah ouais, bon, ok. Je l'ai bien pris. Mais ouais, du coup, c'est pas grave. Du coup, vu que j'ai entendu moi. Ah, il y a le blindé là, c'est grave, c'est peut me projeter. Ouais, après, le blindé, je suis pas encore dessus. Ouais, c'est 535 hein. Quoi. Ouais, ouais. C'est ça quoi. On verra pour celui-là. De chaque chose en son temps, on va dire. Donc, quelqu'un est sur balistique, fonte des métaux, etc. Quoi, hein. Fonte des métaux bientôt, ouais, normalement. 4 tours. 3 tours. Ça aide nous et l'aide.
Par contre, démettez au prochain. On fend des métaux prochain tour, let's go! On va se faire le petit Galilée quand même. Quelqu'un veut genre s'acheter ses bibliothèques, ce genre de choses et tout, j'ai masse tunas. Ouais, il faudrait conserver pour tous les hubs blindés, balistiques, machin, etc. Mais bon. Ok, ça marche. Parce que la game elle est doom, mais faut dire des trucs positifs là, vous en êtes où? Ah bah je pense que la game elle est doom depuis un moment, mec. Ah t'es bien évident. On ne rend pas compte du tout, c'est dingue. On ne rend pas compte du tout, je suis dans ma game. Ah, je suis là, je pile l'ordre des gens, je suis trop heureux. Je fais la guerre contre un mec, ça se passe bien. Notre Keshik a été pris pour cible. Oui. Ah, c'est dommage, j'ai mis de la pression sur les deux, mais bon, c'est deux matchs un peu furieux quoi. Toujours pas de kill de la France en tant que Mongolie. Ouais. Ouais, bah après tu peux pas mieux faire là. Oh, j'aurais pu mixer un peu mieux mes unités. Là j'en ai plus les militaires. Oh non. Vas-y. Alliance, militaire, opposé, continue, voilà. Hop. Bill pour les cuirassiers maintenant. Oh, il va falloir que je réattende tranquillement. Tu disais fondre des métaux, c'est bon. Ouais, il m'aurait fallu aussi de la bombarde. Mais bon, ça a été dur de sortir ça. Merci, thank you a lot, Trinda, for the raid. I think we lost. It was too difficult this game for us. Zulu, France. Too complicated. Il aurait fallu que je remette quelques battes. Mais bon, c'est chaud. Hein. Même au niveau des cartes. Aïe, up your way, Trinda. On a toujours Yonès. Oh non, ils ont repris au clan. Il y a toute la route dessus. Saignement sur les adversaires, plus 3. Ouais, c'est un problème ça. Non plus si, mais bon. Président congé, tu peux reprendre au clan ou... je peux chaud. Je vais voir la taille bientôt. Et la reprendre, je sais pas. Ils ont mis vraiment masse émissaire d'un coup. Ouais.
Et bim. C'est de la teinture. Je viens de réaliser qu'en fait, fait c'est à nous avec 4 émissaires. C'est bien. Bah oui, je l'ai libéré. C'est sur le point de tomber un peu en permanence. Ouais, ok. Ah oui. Je crois qu'ils aient pas trop envie d'investir dedans, ouais. Ils peuvent pas, ils étaient en guerre avec. Ouais. C'est gras. Bah qu'ils continuent, hein. 112... 112 de science, allez. J'ai plus que l'espagnol. Donc allez, c'est bon. Est-ce qu'on peut m'envoyer un peu de fer? Ouais. Je vais faire ça. Ouais. S'il vous plaît, quoi. On va essayer de up sur... T'aurais pu envoyer l'ambre. Tu me prends de ressources de luxe, tu m'envoies pas ton ambre. Allez, je t'envoie l'ambre. Alors je suis là, putain. Quelqu'un fait balistique ou pas? Bah moi, je suis dessus. J'ai 5 tours, t'as combien? J'ai 6. Ouais. T'as gagné. Ouais, on dirait. Ah, de nouveau, sur 12 de science, hein. Du coup, on m'a pris des luxes. Indice de tour. Je peux passer une teinture. Benoît. Et agrume. Et Benoît, tu es le meilleur. Oh, oh non. Herbalistique qui va être up. Tour maintenant balistique, ça change. Fonctionne mon humeur. Je vais récupérer le savon, t'es prêt ou pas, courgette? Oui. Ok, 1, 2, 3. Bah tu peux aussi. J'ai le temps. La peau, ouais. T'as le temps mais il est simple. Bon, on continue hein, de spammer. Bonjour, Ender. He's a legend. Bonjour, Sangmad. And thank you a lot about the sub. Ah, si je peux du fer, Perse. Oh. Et je te prends des golds pour acheter un char lourd. Non. J'ai des mousquetaires sur moi. Non, je suis désolé, mais ce stat-ci, on peut plus t'acheter un char lourd. on va devoir up bientôt, en fait. Allez, ok. T'as un char lourd, tu le prends en un tour, non? Bah oui. Justement, on fait beaucoup de sous. C'est logique. S'il te plaît. Je t'en conjure. Clairement. Quatre tours. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Non, on va rester sur ça. Pourquoi pas?
un truc à faire là. C'est rapproché là. Des jours, hein. Trades sont de moins en moins bons. Il est en train de venir, en train de me rego là. C'est pas de quoi, tu vois. Ah ouais. C'est dommage. N'hésite pas à prendre intendance, hein. Je pense que ça aurait été mieux. Ouais, tu penses. J'ai des campus à des campus. Ouais. Je me rends pas compte. Tu dois avoir quoi? Là ça donne 3 de science pour l'instant. Ouais, 4,7. Ouais. Ouais. Tu reprends du fer, Perse? Mmh. Combien de charbon en fer? C'est pas aller. 10 10 10 10 Est-ce qu'on peut m'envoyer du fer aussi ou pas? Impossible? Parce que je suis mute. Faut pas m'envoyer du fer, non, c'est pas possible. Balistique prochain? Ouais. Lège, attention qu'il y a un homme d'armes de Auckland en bas de chez toi. Ouais. Et qu'Auckland n'est pas à nous pour le moment. Il y a même Tyrem avec une unit là. Que j'avais pas vu. Dis donc, tu peux m'envoyer ta salpêtre et des golds début de tour. Enfin, non, gros. Non. Il va pas me. Il y a besoin de salpêtre ou pas? Non, pas pour moi. Ah bah, c'est joli charbon, ça. Si jamais. Lucas, sur le marchand, personne, hein? Non. Ah, Mongoli, tu peux prendre le marchand si tu sais en faire quelque chose. Pas moi. Bah, le joueur de Johannesburg, je sais pas quoi. Ouais, l'autre Mongoli. Voilà, je fous le produit minute un peu, j'ai des mousquetaires sur moi. Taille au clan, c'est bien. Oh, il a beaucoup.
Ballistique prochain, c'est ça. Tactique obsidionale, c'est un moment ou pas? Ça existe? Tactique obsidionale. J'ai pris le marchand. Bah. J'ai pas l'up, je t'avoue. J'ai pas pensé. Wow. Ok, j'ai encore un chevalier 2 en train de sortir là. Est-ce que je shift hunter les deux trucs là? Flemme. J'en refais une après. La côte est folle. Quelle côte? Il y avait une prédit pour la game. Ah non, c'est pas bon. Pas mon unit. La quoi ponnelle. Oh non. Oh non, j'étais en la chambre. Ah putain, quel con. Vous avez l'âge d'or? Pardon? Non, j'étais okay. En âge sombre et je me suis mis en âge normal. Ah oui, ok. Classico. Vous voulez être en âge sombre, ok. Ouais. Je veux bien les sous, du coup. Ouais, j'ai fini mes up, moi. Je vais encore up un truc. Hop, voilà. Donnez-moi les sous. Je te vois le reste. Vous êtes 1000 à avoir des sous. Pour envoyer ambassade sur Copy Live aussi, j'envoie. Pareil, j'envoie tout le monde. Putain. C'est vrai que sortir mes quartiers diplo à un moment ça peut être bien. Non là c'est fini là. Quand même faire mais bon. Je fais tactique obsidionale prochain. Ouais, j'avais pas vu qu'il m'avait équipé de base. Chier. Oui, en fait, oui. Du coup, maintenant. Donc, j'ai fait 1000 de chevaliers, j'ai fait 1000 de coursiers. Et oui. C'est bien. C'est ça le principe de Civ. Pas principe. Non. Attends. Un cadeau qui m'a contesté. L'autre il arrive sur ce toit. Hein. Ouais. Je suis un peu deck pour la chambre. Dans tel kilowatt. Ah oui. Ils ont deux âges héroïques en face. BAM! Oh putain, désolé. Ah, oh, désolé. Y a un mec qui fait de la moto. Un peu violent là, ouais.
faudrait bien un peu de saut. Franchement, je peux pas faire de deal malheureusement. Pourquoi? Non, les deals. Ouais, je peux pas. Franchement, l'Espagne. Vous avez refait une scientifique du coup avec Didon Espagne. Ouais, on a fait exprès, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pas grave. Du fer, quelqu'un? Ouais, je t'envoie. Je t'ai remis le deal. Pas mal. Merci. Tenir ça moi derrière. Alors bon, c'est quoi notre situation? On est nouveau équilibré, on est vraiment trop fort. Alors comment on... Bah moi, c'est à vous de me le dire. Ah, c'est à toi de me le dire. Ah bon? Ça sera moi de se le dire. Alors moi, alors, je vais renvoyer des crottes de nez sur l'anglais, mais faut voir si en fait, genre Didon Espagne, vous pensez pouvoir monter. Non, après, si vous laissez ça, on peut laisser ça. Bah, Espagne, comment on s'en est au niveau de la prod? On t'a quitté à 68. Yes. T'es à combien? Je suis à 145. 145? Bon, bah, c'est toujours niqué, hein. Ah, super. Toujours pas le top. C'est toujours. Je suis à 250, mais j'ai pas encore un. Je suis à 373. Dido, 373? Ouais. C'est mieux, c'est mieux. Ça fait plus plaisir à entendre. Mais ça décolle. Ça commence seulement à décoller, quoi. Ouais, ça commence seulement à décoller. Niveau tech, on est à combien de retard là? Non, ouais, je sais pas pourquoi on est tous irrés comme ça. Faudrait voir. 32 contre. Ouais. Ah ouais, on a 32 contre 38 sans tech. Ça va être. Les amis. Allez, plus généreux si vous voulez. Benoît, tu la gagnes ou pas? Moi, je la gagne. Bon. Pas non, contre une Aliénor aussi boostée, quoi. Ok, bah alors on peut aussi le booster. Ouais, je pense qu'elle était boostée, l'Aliénor. On lui demande. Non, pas boostée extérieurement, juste elle s'est bien sa top, quoi. On bloque les Onadus? Full boosted. C'est bien pour Aliénor les Onindus. On double les généraux. Oh, on a plus rien. Hein. Ok. On interdit centrale à charbon. Ouais. Ok. Et on max quoi? À moins que Dido soit dessus. Hein. Je suis complètement dessus, mais c'est pas grave si on considère. Ouais, tu viens d'avoir un dus, toi aussi. Ouais. Faut le dire. On réduit. B centrale à charbon. Bon, puis on réduit. On réduit pour toi. On réduit pour toi. Et on booste les généraux du coup. Diplo Philippe. Ouais. Genghis. Chaud. J'ai envoyé mon esprit. Ouais, quand vous voulez arrêter, on arrête. Hein. Je sais pas. Bah écoute, là. Pas de complexe. Bah, c'est lourd. Après, on peut juste la jouer pour la jouer. Voilà, je joue exactement. Écoutez, moi de toute façon, dans une heure, je dois y aller. Donc, pour ma part, on peut encore la jouer pendant une heure, quoi. Mais elle a pas un dieu, Aliénor. Non.
Il me faut des gold. Les amis gold. J'envoie. Ouais, j'envoie ça. Amis gold de rapport. Eh merde. Daniel, je te prends des sous et dépense pour le prochain tour. Ouais, prochain, je peux pas accepter là. Je devine. Je vais demander un peu tard, sinon. Oh merde, j'ai oublié ça. Tu veux build de militaire. Ça aura bientôt les tanks, non? Ouais! Un jour, ouais, hein. Surtout qu'on lui boost. Effectivement, le fondement du problème. Faut des gold pour up. Franchir l'Espagne. En Espagne. Oh non, mais deux campus. Il peut acheter de boost nation. Deux tours. Oh. Bien. Non mais j'ai des vraies cartes à mettre moi en fait. Alors, route d'honneur. De l'actionnisme. Hop, ce truc. Il me faut des sous. Important, hein, sinon je suis en banqueroute. Ouais, je vais t'envoyer ça, dès que je peux. Intégrer l'Espagne, ça a plus besoin de gold. Benoît, il faut que tu t'as vu que tu devais projeter l'ingénieur? Non. Ok. Je projette l'ingénieur. Bon, je peux dans ce tour-là. Bon, ok, hein. Et on a fait le truc. On va me tuer ça là. C'est sûr.
Mais il est lingé. C'est pas grave. Trop canon de campagne que je te prends la vie, moi. Allez, et si ça passe pas au canon de campagne, ça passera au blindé. Et si ça passe pas au blindé, mec. C'est GG. Oui. Et je suppose que t'as le boost de sciences militaires. Je suis sur Natio déjà. Sciences militaires. Ah non mais sciences militaires, je suis sur acier. Pardon, excuse-moi, t'es un grand monsieur en fait. Bah oui, je suis un grand monsieur. Et pillage tout ça ou quoi? Oui, et un peu de science en early. Oh là là. Il était sur le move depuis tout à l'heure, mais lol. Il me faut du fer encore. Ouais, je t'ai taillé, c'est moi. Je vais reprendre, hein. Ouais, j'ai trois émissaires. Ouais. C'est juste pour les unives. T'es accordé. En deux tours, je dois avoir des bazars. À cet effet, j'aurais besoin d'argent et de moula. J'ai de l'argent, mais j'ai pas de moula. Moula. Pas de problème. Comment vais-je faire sans moula? Je pense que c'est Sun Tzu qui a dit « La moula, c'est le nerf de la guerre. » C'est Sun Tzu qui a dit ça, ouais. C'est du style, je pense. D'accord, il a choisi pour ça. Il a bien niqué. Hop, donc un colon à steak. Et pas vu venir celui-là. Celle-là. Il t'a volé un colon à la steak? Bien entendu. Mais ils vont s'en vendre alors. Ouais. Ah, ils vont GG, hein. Les gars. C'est une chance. Mettre une dose de pillage aux Français et de voir si je peux prendre Londres.
L'anglais il cache où toutes ces villes? Ville cachée. À mon avis, en dessous de Londres, hein, je suppose. On doit vos sous pour le prochain tour. PM pour piller, hein, c'est ça. 3 PM pour piller. Au moins, je pille une case sûre. Ah, il est assis, évidemment. Bon, je vais piller toutes les cases du français, enfin du français de l'anglais. Je vais amener des bombardes. Oui, c'est bien déjà. Ah, c'est bien. T'as lancé 8 kilos ou pas? C'est bien. Prochain jet. Ok. L'un d'entre vous, Foxford? Non. On a du prochain tour. Daniel, j'ai besoin de tes sous. Ouais. C'est qui t'as besoin, Perse? C'est bon, j'ai dépensé. C'est tout ce dont j'avais besoin. Bon. Et ben, je te prends tes sous. La chatte du mec. Allez, sur niveau 2. Acier 3 tours pour moi. On se fait raser par qui? Qui se fait raser en premier? Parce que moi je vais sûrement pas réussir à tuer le français, je vais pas avoir les ups, on va pas... J'ai blindé dans 1000 tours. J'ai blindé dans 20 tours. C'est beaucoup trop long. Et le Zoulou il est en train de me mettre une pression. Là, je voudrais sauver ça. Est-ce que je vais avoir le temps de sauver ça? Que la culture est une réalité. La victoire culturelle. Non bah toutes les victoires sont réalité. On a dû faire les gars, s'il vous plaît. Bravo ça.
Et on essaye de... On essaye de quoi là? On essaye de plus rien faire là, on peut plus rien faire. En général. Ah bah, en général. De ralentir un peu l'anglais. Pourquoi je peux pas taper là? Ok, raffinage quelqu'un ou pas? Pas mon combat. Pas ton combat, tu me dis. Non. Ça va dans pas mal de tours. Fais chier. On me donne des sous, je sais pas pourquoi. C'est l'habitude. Une bonne habitude. Ah, c'est vrai que t'en as un peu demandé hein, cette game. Juste salaire pour. Je trouve que c'était ok. Moi. Exactement. Ça fait mal ça quand même. Va falloir que je remette la visibilité de Diplo. Que je mette ça là. Ils ont 5 PM. Ouais donc. Il est des 5. Qui Gaston? Non. Ah Gaston il est des 5. Ah non, le Tyrem il a joué mais genre 10 secondes après moi alors que je. Clairement je la smooth plutôt que first quoi. Ça m'a surpris quoi. Les simmers, je vous achète un peu de temps, hein. Pas beaucoup, mais. Mais déjà ça. Mais c'est pas une colline, ça? Putain, c'est pas une colline, je vois rien dans le jeu.
Oh là là. Guerre de... Comment ça, guerre de religion, mon frérot? C'est la faute de l'espagnol, hein? Faute de l'espagnol? Ah, c'est la faute de l'espagnol, mais il m'a converti de 3 villes en 6 de France. Tu mets la carte rouge? Ah ouais, mais la carte rouge. Ah, je pense que tu te rends pas compte, mais genre toutes mes cartes sont utilisées là. Oula, je voudrais bien voir ça. Vas-y, fais un screen. Ouais. fais un screen de tout ça, on va voir, on va débrief après. Ah, écoute, de tes cartes rouges là qui sont toutes utilisées pour un plus 4. Ah bah j'ai héritage oligarchique, baroud d'honneur, armée de métier pour mes up et obus explosif pour parce que je suis obligé de produire des bombardes maintenant. Quand même. De moi j'en ai acheté une. Donc ah ouais. Je n'ai pas encore cette chance là. Tu pourrais avoir là, cette chance là. Ah peut-être un jour. Attends, je change plus de la science, c'est bien aussi, tu sais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. La France qui est en train de refaire des piquetiers. S'accroche, hein. Abraham Lincoln. GG. Quoi? Ah merde. Bien. Bonsoir. GG là, c'est bon, c'est gagné. Ça paraissait pas win-win. Je suis pas contre, hein, mais... Étonnant, quoi. Un peu étonnant. Ah oui, c'est là que ça ajoute. Ça revient une petite praline, un truc. Merde! Allez, le pétrole, ça te... Le pétrole, ça me parle 5 tours. Mais bon, je suis en train d'artec... Okay. Acier et raffinage, les gars, enfin. Pff. Ah non, mais moi c'est j'ai un fait, peu painful. J'ai fait acier. T'as pas fait acier du tout. T'as oui, pas non, fait oui, acier du fait, tout, oui, j'ai fait acier. Ah non, je fais. Aïe oh. Moi je peux faire acier. C'est pas possible. Tôt. Mais acier c'est fait, ah, non, raffinage. C'est bon, c'est bon. Benoît, il est boost. Oui, c'est vrai. Écoutez. C'est vrai que t'es aussi pas en science, Benoît. T'as pas. Travailler et en pomme mes... aussi, il est fort. Science 3, 4, et en pomme. 5, 6, 7, 8, 9. En pomme ? Ah ouais, pomme. Bah, c'est... La. C'est l'alliance scientifique, je suppose, qui pêche. T'as mis les deux cartes. T'as mis la proximité sur les campus et le plus 50% pour les bâtiments. Bah j'ai pas beaucoup de... Non. Oh ouais, c'est vrai qu'on a pas de pétrole, ouais. Effectivement, ouais. Il faut. Un peu, c'est un bon bonus. Et la question, c'est celui qui a le plus de chance de gagner. Comment? T'es sûr? Parce que la culture ça va être important quand même. T'es avec la team lobby débutant, hein, je te rappelle donc.
Ah bon? On fait quelque chose avec ce qu'on a. Ah bah ok. Ah, ceux qui jouaient ils sont en face hein. Allez, rap, je savais pas. Ça doit pas du tout au stat. Mais dans l'idée que c'est une de nos premières parties en face à des bons joueurs, ça va? Bah, ça fait après, on s'est un peu fait caca dessus, j'ai l'impression. Enfin, pas. Ouais, on a mal joué. Rien du tout. Mon perso. Rien du tout. Enfin, si, après, rien du tout. Dire s'il a fait ses bails. Moi, je viens de faire reculer ma stack qui a, à mon avis, un bonus militaire sur moi. Ça se passe, ça se passe. Et qui a guerre de religion. Oula. La main. Ça, c'est une bonne carte. Et il a pas trop pu l'utiliser du coup. Et est-ce qu'on a encore du fer ou pas? Moi, j'ai 5 tours raffinage, t'as combien? J'ai 4. Ah ouais. J'ai plus rien à piller, donc... J'ai du fer, moi, je t'envoie. Juste triste, maintenant. Ah, je veux bien du fer aussi. Alors, bonne voix, est-ce que t'as du fer? J'ai un envoyé à l'aige, mais... Sur une nouvelle alliance, aussi. Oh, je vais prendre ce que je prends pas, alors. Du coup, là, on fait la scientifique entre Perse et... Oui. Okay. Oui. Culturel, c'est... Ah, 22 sur 55. On va renouveler Perse, Dido. Alors, ça a marché, c'est pas ça. Ouais, c'est assez oui, à un moment, faire les alliances entre nous, ça peut être bien. Quoi. Ouais. Je vois que tu m'envoies 12 routes ou je sais pas quoi. Non, pas mal. Ouais, faudra faire les alliances. Ouais, je vois ça. Effectivement, les gars. Mais c'est fine, ça me dérange pas. Hop. Je renouvelle l'alliance du coup avec l'Ege d'ailleurs. Un plaisir. Entre nous. Entre gens civilisés. Ah ouais, tu l'as repoussé. Fais ça, quoi. Le zoom. Ah ouais! Génie civil, quelqu'un? 4 tours. 2 tours. Ah, voilà. Truc, quoi. J'ai avion. Aïe. Non, l'américain est aussi réel. Je vais essayer de lui mettre des tanks sur l'américain. Voilà. Le Zoulou, ouais, il a l'air d'être plus ou moins contenu. Le français tombe petit à petit. En bombarde. C'est du quoi français, j'ai pas vu. L'anglais est en train de se demander pourquoi il a pas la militaire depuis 40 tours. Ah, il avait joué au lobby, putain. La steak. Dur. Bah, vaut mieux qu'il ait joué que la visibilité diplo. Ouais, c'est bientôt là. Ah ouais. Enfin, normalement, ouais. La steak, il y a moyen que tu fasses une hit sur touche pas ou pas? Parce qu'il y a une cavalerie à steak là qui est dans l'entreland. J'ai pas d'homme d'armes. Tu me parles à moi? Ouais. Oh, enchanté. Ouais, alors. Hop, je vais lui mettre une première praline. N'hésite pas à me coller des trucs comme ça, hein, je... T'inquiète. Je passe trop sur le front, là. L'américain il a retiré ses unités. Bizarre. Tu fais le tour des BLM ou pas pour Jet? Je suis pas parti pour. Ok, je vais poser alors. Par contre, je fais la roue.
plus trop, j'avais pas mis mes spécialistes et tout, putain. L'espagnol, tu pars sur des avions ? 3 tours raffinage. Ouais. Non, 4 tours. J'ai pareil, Lège. C'est pareil. Ok. Sens économique, quelqu'un ? 2 tours. Je vais stack de la science, hein, je pense. Comme c'est la culturelle, là, on a pas le moyen de... Entre autres. Bah pas tout de suite. On stop nos villes encore, là. Ils vont bien tuer les deux trucs, là. Mais non, c'est lui qui me tue pas. Non, mais... Le marchand, du coup, je le refuse. Il faut pour la visibilité du coup. Il faut débloquer les ingénieurs aussi, les savants. Non, c'est pas bloqué, c'est juste que je viens de prendre Mendeleev. Ok, ok. Tiens, d'ailleurs, tu peux hit son cavalerie, s'il te plaît, avec ton cuirassier. Voilà, c'est qui est sur la ville. La Perse. Attends, check. J'ai hit. J'ai tué. Merci. Là, je te sais bouger. Alors, sauf moi. Ton cuirassier qui est dans mon lance, s'il te plaît. Merci. L'autre. Merci. Ça fout le boil. Oui, mais Zulu a posé des villes costards. Ouais, c'est le temps de cesser. Je vais pisser, je reviens. Mais je pense qu'on peut, on peut se dire bisous, quoi. Ouais. Ah ouais. J'ai bientôt la bourre. C'est vrai que t'as de la sur. Ouais, j'ai trop visité Early. Du coup, j'ai fait. Pas de tout. Pris trop de retard. Moi j'ai de la prod là, donc en fonction de comment ça s'oriente. Moi j'ai 400 aussi. J'ai gazé à 600. Enfin, la culturelle de toute façon, aucun moyen de la défendre je pense. Non, il n'y a pas de culturelle qui passe. Hein. Je pense. Ouais, ah ouais pense. Je pense. Culture 24 sur 64, il a pas de foi, il peut pas vraiment envoyer des groupes de rock. Tout sous l'an de pillé. Là vraiment, vous vous rendez pas compte, mais tout sous l'an de pillé. Ah ouais, j'ai vu. En anglais. J'essaye de le ralentir un max, hein, là. Très 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 belle pause tactique, en tout cas. Ça oui, fait plaisir. Que, ouais. Là, il est full pillé, la culture, elle passe pas pour l'instant. Mais... On a combien, 39 juste tous les ça, deux. Nos deux free sims décollent pas assez vite, je pense. Mais ils reviennent en vrai. Ouais. Ah, ça revient. Ils reviennent, mais il y a une personne en 300-400. Ah bon. Ah, c'est ça quoi. Il y a 7 tech, 8 tech de. 7 tech d'avance. Ah là, il est les avions, donc ça va être un peu. Je commence à être un peu triste. Ah, comment ça se passe? Tu peux piller les aérodromes, je suppose? Oui. Allez, bah écoute, on va faire ça. Non, bah probablement, si vous le faites, sûr. Si vous le faites, oui, c'est. Butternut, tu dois. Bonjour Poki. Ouais, c'est Mikado le Zolopiga. Je joue apparemment en débutant. Moi, je répète dans. Allez quoi. Je pense que je dois partir dans 40 minutes.
Il a kill avant d'un sac. J'ai kill moi, j'ai fait des erreurs. Peut-être que là j'ai vu relancer fast. Ouais. Comme vous voulez. Moi je veux bien relancer fast effectivement. Moi si on... Enfin, comme première game dans la cour des grands, ça me paraît bien. J'ai un peu un aperçu de ce qui se passe quoi. Honnête. C'était honnête ta performance. Je tiens à te le dire, je vais faire même un petit coup de clochette. Hop, voilà, on était frissime, j'ai essayé de te défendre, t'as essayé de faire des trucs. Je t'ai vu un petit peu, j'ai regardé de temps en temps, tranquillement, t'as sorti quelque chose. Voilà, après, ça bite de chien, hein, les games. Quand on voit certains niveaux, il y a Tyrem en face, il y a Mikado, on a Swap aussi, qui rejoue pas mal quand même, j'ai l'impression. Donc, pas mal. Très mauvaise game de mon côté. Mais non! Mais bon, enfin, je sais pourquoi tu t'es chié quoi. Ça arrive, hein, ça arrive. Et pourquoi tu t'es chié ta game, tu penses? Parce que je t'ai dit 4 plans de jeu différents au début de game. Parce que j'ai trop hésité en early. Bah ouais, parce que je t'ai. Et j'ai fait un campus, après du coup j'ai fait un campement, enfin, j'ai zéro discount, j'ai sorti plein de codes très tard, marché très tard, j'avais pas de prod. Pour vraiment rester dans l'optique où, pour pouvoir snowball, pour pouvoir heals up dans une game, t'as deux manières, t'as soit Magnus interne, soit Monumentalité. Et donc du coup, bah, tu vas essayer de faire le plus de Magnus interne et le plus de route interne possible, le plus rapidement possible. Mmh. Donc, si tu fais campus campement et que t'as pas un timing, tu seras derrière dans la game. Non, mais du coup, j'ai fait campus... Enfin, j'ai fait un campement et après, je suis parti platco partout, tu vois, mais c'était beaucoup trop tard. Enfin, ouais, c'était déjà trop tard. C'était trop tard, quoi. Après, j'ai essayé de rattraper toute la game. Ah, mais quand tu cours derrière une game, c'est compliqué. Mais ouais, c'est ça, quoi. C'est un peu ça. Mm. Et du coup, la position, en plus, j'ai pas de rivière, ouais, je sais pas. Kubilai. Pas dans ma zone de confort, mais bon, c'est bien de. On gère là. Avec la perse, je me suis bien marré. Ah bah, une game. On va leur en parler, GG. C'est quand même une bonne game, c'est long. Allez, on va GG. Ouais, FIFA débutant, souvent, c'est. C'est plus rapide? C'est rapide. Ah ouais? Bah, ça dépend des fois, mais. GG! Mais lège, mon pote, je tanque! Bah, attends, moi aussi j'ai tanque, je suis en train de booster là, qu'est-ce que tu crois? Ah, moi je me fais booster, ouais. Je suis en train de booster comme un grand avec mon Galilée! Alors! Ah, ouais, mais. Après, moi je vais avoir. J'ai eu suis de la merveille qui va pas me servir à booster, bien sûr, mais. T'as quoi comme merveille? Je suis des merveilles. En mode le Crater Lake. Ça va me faire 500 de chance, quoi. Ah, celui des merveilles, d'accord, j'avais pas compris. Ouais, c'est 500 de chance, c'est pas 250 par case? C'est 500 par case, je crois, non? Je vais vérifier. Je sais jamais, en fait. Je crois que c'est 250. Oui, mais c'est 250 par case, mais il y en a deux. C'est un Crater Lake. Ah, Crater Lake, il y a une case, mon ami. C'est un mais lac. C'est pas autour? Bah non, c'est la case. Attends, vérification. Et donc du coup, un Obsounours, c'est bien, parce que c'est en triangle, tu vois, c'est en losange. Et donc du coup, un Obsounours, bah tu touches 4 cases. Comme mais un... non, mais, comme mais un... je peux en toucher 2 là. Je le claque sur le fer, ça fait 2 cases adjacentes. C'est quoi le Crater Lake? Tu te trompes pas? Genre avec le lacret de bas? Ah non, mais j'ai le lacret de bas. Voilà. Parce que le Crater Lake, tu sais, c'est une petite case à la con. Bah oui. Ça n'a aucun rapport. Non, mais disons que c'est vrai qu'à un moment, tu vois, j'étais en pipo chilling dans ma game, tu vois, puis d'un coup, plus 18. Ah, j'ai fait, ok. Ah, j'étais en plus 18 avant. Ah bah oui. Ah ouais. À le moment où t'arrives, je fais putain, il est en train de mettre ses doigts dans le cul à mes chevaliers des étoiles, c'est très étrange. Ouais, alors que j'avais quoi? Des cavaliers? J'avais non, j'avais des Keshik. Mais les Keshik, ils envoyaient de la pure carte. Ah, de la boulette, c'était trop bien. Ah, puis le plus 12, tu l'as eu un petit moment, hein, parce qu'il a fallu que je me sorte les dents pour sortir mon espion. Ouais, mais je me demande si j'aurais pas dû all-in sur toi. Au début, je suis dans une belle merde. Au début, je voulais all-in sur le français parce qu'il était pas bien et qu'on avait un 2v1 possible assez facilement. Ah, moi j'étais bien. Attends. Et tu m'as fait un peu peur et en plus je te trouvais un peu loin avec la rivière là. Donc, du coup... Je pensais pas que t'allais me push comme ça. Vu qu'il y avait une choke, je me disais, que j'allais contrôler la choke avec 2 étoiles. Ouais, bah. Donc, j'avoue que j'ai grillé. À un moment, je me suis dit, je fais mon agence. Je fais, Ouah, ça ressort un petit colon de plus, c'était peut-être pas optimal. Et juste après, t'avais le plus 18 dans ta gueule, c'est ça quand t'as vu Terracotta? En fait, j'ai pas de chance. En fait, j'aurais pu la lancer, je pense, bien avant toi, la Terracotta. Ah ouais? Mais parce que j'ai agence et Terracotta, genre 58, 59, un truc comme ça. Ouais, mais à un moment, je la vois, genre, très tôt, en 7 tours, ma Terracotta. Ouais. Genre, vraiment très tôt, avant le tour 50. Et je me disais, est-ce que je la prends pour aller. Et en fait,
Les deux seules cases que je vois pas de ton empire, c'est les deux cases autour de ton campement cap. Merde. Donc je l'ai pas trop vu arriver, tu vois. Ça m'est tombé dessus comme ça. Je regarde ton unité, je vois plus 18, je fais. Plus 18, bon. Oh bah on est dans la merde là, heureusement que je joue Zulu, bah je joue pas Zulu, par contre je suis mort. Hein. Oui, je pense mais que je suis mort, je suis bien mort, hein, et bien enterré. Hein. Et si j'ai pas les first move aussi, mais bon. Bah mais de match-up c'est Zulu et France, c'est pas facile hein. Ah j'étais trop bien dans ma game par contre. J'aurais dû attaquer peut-être l'américain, j'ai un peu d'herbe sur la stratégie. Genre j'aurais dû remonter sur américain et lui mettre un plus 18 et je pense ici. Bah après tu viens pas, je pense que le mec à ma droite là il prend une sauce. Hein. Ah bah oui parce que on s'est deny hein, on s'est... Après j'ai des chocs non. Ouais mais t'as pas une case pour passer quoi. Je pense que t'es pas prêt. Quoi, j'ai tout. Enfin, je sais pas, j'ai tout pour défendre. Le problème, c'est que. C'est quoi le problème? J'ai un bas, une arme. Mais vraiment pas, Après, je sais pas. T'avais pas la Je pense que c'était dur. En fait, j'étais. En fait, là, heureusement que t'es venu parce que j'étais. Enfin, je pense que tu vas voir le civil replay, j'étais trop bien dans la game. Alors, la vie était belle. On a vu, en early, ouais. Et d'un coup, j'ai eu écrit plus 18 sur mon écran et la vie était moins belle. Rapidement. Ouais, mon gueule, hein. Et c'est pas dur hein, ce que j'ai fait. Hein. Je le répète à chaque fois parce que ces build order, c'est vraiment pas difficile. Et après, j'ai cliqué sur Keshik et Chevalier durant toute la fin de game. J'ai même pas ressorti un seul bâtisseur à partir du moment où j'avais mon setup. Donc, moi, je conseille aux gens en fait qui veulent progresser en termes militaires déjà de faire ce genre de BO que vous venez de voir sur le live. Et en squadron, en compétition, avoir un joueur mongol qui vient de faire ce que j'ai fait, c'est je pense quoi, allez. 30 heures d'apprentissage du jeu et... c'est golémique la Mongolie. Et je pense que vous gagnez 90% de vos games. T'as voilà. Fait Victor pour avoir Espion 2 ou... Ouais, Victor, Moksha 2, Magnus 1, Victor 3. Je fais toujours ça. Ok. Et c'est... Après c'est vraiment la cive, je pense, elle est trop forte là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Mais moi je pense que la cive elle est trop forte, oui. La cive elle met une pression. Bah oui, parce que t'as un plus 3 déjà initial. Parce que cavalerie horde mongole, bah c'est comme la France au final, c'est un plus 3, tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ose le dire, tu ne m'as volé aucune unité. Alors est-ce que c'est parce que je joue le Zulu? Je sais pas. Bah, je pense. Mais tu n'as rien volé. J'étais un peu surpris quand même. Bah, quand tu avais le plus 18, bon, je m'attendais quand même à des petits chevaliers des étoiles qui passaient de mauvaise couleur, ce qui m'aurait un peu énervé, je pense. Mais bon, bah. Mais... Comme ça. Hein. Et je pense que c'est parce que la force militaire est plus forte, donc avec ton 2 étoiles, et donc du coup, le pourcentage de capture doit être assez bas. J'ai pas regardé. Je pense aussi. Après, Lège, entre toi et moi, malheureusement, tu as un PC moins bien que moi, ce qui est, se compte sur la D1, je pense, sur les doigts d'une main. Je pense que malheureusement, ce genre de cive, c'est sous-optique. Par exemple, toi ou moi la joue. Je pense. Oui. Après, bon, là, on s'amuse. Ah, j'ai une belle tempo dans la game. C'était bien. Une petite achat 4-0, tour 0. Enfin, tour 1, donc on est simple. C'était bien. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça aussi. On a acheté une 2-2-1 pour. Je sais plus qui, la Perse hein. Bah, c'était ça. L'Angleterre, déjà en 50, 31 de prod, là, c'est bien, en vrai. Ouais, c'est bien ta game, Thirem. Ouais, c'était sympa, mais il y avait vraiment mieux. T'aurais eu peur, hein. C'était pas une signe. Ouais, et je pense que. Je pense que les petits coursiers qui viennent sur la France, c'est moi qui les école. Je voulais qu'on essaye de tuer la France rapidement pour avoir une condition de victoire parce que je nous ai senti en fait en train de perdre la game. Et donc je me suis dit on va essayer de tuer la France. Et bon du coup j'ai un petit peu d'herp. Je pense que les coursiers du Perse auraient dû au final aller sur Alien. Bah, le contrôle des générales que vous avez fait, ça nous a... Enfin, genre, personne n'avait de général nulle part, c'était un enfer. Ouais. Ouais j'ai vu ça assez rapidement en début de game. Et j'en ai pas pris du coup je crois, ou je sais plus... Je vais vous laisser à moi les gars, je vais aller regarder le stream. Merci. Bisous. Merci pour la game, merci les. Je vais essayer d'en faire une deuxième à raison. Sympa. Hein. Si t'as une cive, etc. Que t'as envie de jouer, etc. Bah tu dis, tu jouais quoi là déjà, putain. Koubibi. Koubibi, j'adore. Je trouve que c'est une bonne cive en ce moment, avec la carte jaune en plus. C'est bien. T'as la possibilité de jouer les trois fronts. J'ai trop peur. J'ai... Ah mais c'est pas facile à jouer par contre. C'est fort. Ouais. C'est juste que c'est pas facile parce que t'as un obias et donc tu dois travailler ta tempo sur le land. Faire, ouais. Oui,
Mais tu peux un peu tout faire, mais tu dois choisir en fait ta meilleure option. Est-ce que je vais partir Arbor Magnus? Est-ce que je vais partir plateforme commerciale? Est-ce qu'il y aura deux campus, deux campements, trois? Enfin, il va falloir que tu choisisses parmi pas mal de variantes. Donc c'est assez compliqué, on va dire, à jouer. C'est beaucoup plus difficile, on va dire, que Mongolie standard, où tu peux partir trois campements sur 95% des maps. Voilà. Ouais, donc, c'est sûr, clairement. Donc, mais ouais, c'est bien un train. Ouais. C'est bien Satchi au sud. Et super, c'est une super cible en vrai. C'est une super cible. C'était de fou. La Temporal League, t'as avec la cible, c'est zinzin. Là, j'avais pas de la manier, du coup, ouais, je sais pas. Bon, tu fais juste Magnus. Hein. 78 de prod, tour 40. Eh ouais, hein. Ah, bah, je joue jamais Zulu, mais c'est agréable de cible avec la cible. Hein petit... J'avais un petit Panthéon des strats, là, qui m'a mis bien. Alors, j'ai fait un BO à la Stico, ce que je ne fais absolument jamais. C'est-à-dire que j'ai fait un colon dans chacune de mes villes. Ok. Après les Ikanda. Ouais. Ouais, j'ai fait Ikanda, colon dans mes trois villes, avec un seul bat, qui a un ou deux bats, je sais plus. Ouais. Du coup, j'ai eu vite mes six villes, j'ai ressorti mes Ikanda avec la carte, into bat Féo, into j'avais tellement pas beaucoup, deux colons. T'es parti sur Pingala peu... Non, Moksha, ma cape elle est juste en dessous. J'ai Moksha Pingala. Ça, ah, ouais. Je pense qu'il fallait faire Magnus 2, enfin Magnus 1, pour Magnus qui fait la topi Beyblade. Mais en fait, j'avais un land qui était pas si fort que ça, assez plat. Je sais pas si tu vois, j'ai énormément de forêt de 1. J'ai un land jaune aussi, mais bon, ça, j'ai fait des fermes, ça allait au final. Et tu penses pas que, en plus, comme t'as une bonne tempo en début de game, si on pense juste dans la théorie, là, t'as déjà 3 Ikanda, tu pars plateforme commerciale et tu fais un Magnus interne? Bah, en fait, comme le Gaulois. Alors, j'aurais voulu faire ça à la base, et je suis entre deux Mongolies, dont toi qui fais campement, donc je sentais la kékette arriver, tu vois. Mm-hmm. Et au final, je pensais que j'allais avoir de gros problèmes de foot. Alors là, je fais pas un trône dans cette game, hein, je fais audience. Mm-hmm. J'aurais préféré avoir un trône. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais l'audience me permet d'avoir la food. J'avais un peu peur vu que j'étais en long jaune, mais t'as fait quelques fermes. J'avais beaucoup de riz, là, je sais pas si tu vois, en dessous de ma cape. Du coup, je les ai travaillés et par exemple, j'en ai filé un à la ville en dessous qui a eu sa petite 5-0 et ça m'a permis de me maintenir entre guillemets avec de la pop correcte. Et les goals, ça a été ou pas du coup? Sans trône. Longtemps ça allait et à la fin j'étais à mon taxi. Et à la fin, t'as tout taxé. À la fin, je suis en moins 60. Regarde, j'ai plus de prod que toi hein, alors que tu te sens bien dans la game. T'as vu cette cible de Zinzola qu'est la Mongolie quoi? Ouais, mais je pense que je t'attrape après. Je pense. Oui, oui. Moi, j'arrête, là. Là, c'est fini pour moi. Ouais, là, c'est fini. Ouais, alors, en mid-game, je me sentais bien. Ma transition était peut-être un peu late. En fait, c'est un peu le problème de partir, vu que c'est moi qui a boost Féo, vu que je suis parti de ça sur formation militaire. Les deux tours de battement que je perds sur Féo, je les ai vraiment sentis dans ma tempo. Ça m'a fait un peu chier. J'avais pas quoi foutre dans mes villes, du coup. Et t'as fait formation militaire pour boost ou pour faire les casernes? Les casernes. Ouais. Moi j'aime bien pas partir. Sûr que c'était si bien. Ah, moi j'aime bien partir genre 4 Ikanda, donc Pen and Brush. Après, je discount le bon campus, tu sais, de ces 3 villes. Et après, je pars sur plateforme commerciale si je veux scale justement en tant que Zulu. Ouais. Avec Magnus bon, interne, etc. Fait... C'est ce que j'aurais fait. Si je devais scale, j'aurais fait des routes. Et cette tempo là, ça t'amène à avoir peut-être formation militaire 34-35. Et t'as la possibilité de mettre vétéran, c'est de faire tes casernes après. En attendant d'avoir stratégie def, et après en remettant la carte bâtisseur il coum juste après pour faire ta féo. Et j'aime bien avoir cette tempo là, je trouve que dans le build order ça matche bien. Ouais, je suis d'accord. Voilà, tout. Après, c'est vrai que les casernes ça date de la prod. Hein. Bah ouais. Les deux de prod, parce que là tu vois, je faisais pas mes routes internes, et j'étais en mode ouais, ça va peut-être être un peu mou, et en termes de prod, bah c'est pareil avec ta cible hein, qui fait les casernes de plus vite. Bah. Putain, ça donne du punch les casernes. Et bien sûr, deux de prod pour 30 de production. Fou, t'as pas beaucoup moi, de mieux hein. Culture en plus. Ah, je te jure. C'est vraiment beaucoup de punch hein. L'atelier c'est 80 de prod pour 4 de prod. C'est-à-dire que le Hordo, quand tu prends 2 de production pour 30 de prod, c'est la meilleure rentabilité de prod dans le early game du jeu. Genre par exemple, l'hôtel c'est 35 de prod avec un work ethic, c'est plus 2. Donc du coup, t'as encore moins bien. C'est dingue l'Hordo. Les gens se rendent pas compte. Mais même la caserne tout court en vrai. Hein. Bah la caserne vétérance, mais comme elle arrive plus tard, bah tu la ressens moins. Mais même là, vu que tu vois, j'avais un petit... En fait, le fait que... Comment ça s'appelle? Le Panthéon, là, les destrates, ça fait que j'ai un point de prod en plus sur toutes mes villes. Et du coup, mes casernes, je les ai fait en 3 tours dans toutes mes villes, même si je n'étais pas réduite. Même sans vétérance, je crois que j'ai fait 2-3 casernes sans vétérance. 2 casernes, je dirais.
Et bah, j'avais pas encore en foutre de ma prod. Et... en mid-game. Je te tiens encore, hein. Regarde. Et, après, là, tu m'as vraiment mis... Là, ça commence à... Voilà. Hein. Tu m'as bien ralenti, hein. À ma part, je suis en son prod avec mes écoles militaires à la fin de la game. Ah, t'as fait tes écoles, moi, j'ai pas pu. Ah ouais, j'ai fait mes écoles. J'ai pas pu faire mes universités, par contre. Eh, on est pas si mal, hein. Ça allait encore. Hein. C'était pas si terrible. Je pensais que la situation était pire que ça. Non. À la fin, j'allais être bien. Là, j'allais avoir vraiment beaucoup de prod. Je pense que t'aurais tenu parce que j'étais en train de pex mon expion, mais à tout moment, voilà, hein, il aurait pas voulu. Mais j'allais vraiment avoir une prod de fou. Après, je joue Zulu sur tank. Hein. Ouais, il y a un moment, le chiffre est bizarre. Ouais, le chiffre est bizarre parce que ça prend pas les cartes. Moi aussi, moi j'ai jamais été en négatif. Ah non, non, j'étais un tour à moins 100. Ah si, si, ça c'est sûr. Hein. Ah, moi si, j'ai jamais été en négatif. Il y a un tour, j'ai fait moins 100. 473. Et à la fin, ça allait mieux. Ah, j'ai pas cru en toi, putain. La Dido là. C'est qui déjà qui jouait Dido? Je sais plus qui c'était. Oh, ça, c'est dommage. J'aurais dû dire. Ils ont pas trop parlé dans mon équipe, mais bon, c'est normal. Parce que je savais pas trop où ils en étaient. Moi, de mon point de vue, c'était mort. Genre, je voyais Aliénor. C'était la guerre, toi. Mais moi, je voyais. Oui, c'était la guerre. Et j'étais là, bon, on va récupérer la France petit à petit. Je vais maintenant défendre le Zulu. On va essayer de mettre un push sur Lincoln pour essayer de faire un truc. Mais sinon, Aliénor d'Aquitaine, 300-400, c'est un problème. Elle est forte cette team. Moi pareil, je pense qu'Alienor c'est côté comme si. C'est qui a joué par contre. En fait, le problème pour moi d'Alienor, c'est que tu veux faire campus place de théâtre pas, ce qui fait trois quartiers à stat, et il faut les trouver ces zones indus. Et je pense qu'il faut cut des campus pour poser des zones indus. Bien sûr, c'est faut un que... problème que j'ai eu. Bien sûr qu'il faut cut des campus parce que tu vas être en libre pensée. Oui. Donc du coup, il faut que tu cut des campus un moment et que tu arrives à dispatcher tes zones indus dans les villes où tu sens que ça va être le plus rentable. Ou tu vas avoir le plus de food. J'avais fait une game d'Alienor contre la Stack. Et bah tu vois, j'avais voulu maximiser les stats et en fait j'avais trop low en prod. Sur ma transilet game, trop low en prod. J'avais genre 600 mais contre un mec Malm avait genre 1000 de prod avec son Angleterre, bah je peux pas match. En late game et quand tu te fais au prod, ouais, c'est comme ça. Mais normalement tu devrais être à peu près au même niveau qu'une Angleterre normale parce que c'est les mêmes bonus quoi donc. Non mais c'est juste que j'ai mal cette faison d'indus et du coup ça c'est bam. Retour de bâton, bim. Non mais le Zulu ça a l'air bien mais la sim c'est pas très bien la jouer. Le sim là c'était un peu hasardeux ce que j'ai fait. Ouais mais t'as eu des bons fills. Et moi je suis venu à un moment... Ouais, t'es venu quand j'ai vu moins 18, j'avais Stylos qu'à côté, je lui ai dit alors là on est dans une merde. Bah ouais. Non puis en plus j'étais disrespect de fou, j'ai jamais bougé mon Victor, je sais pas pourquoi parce que je suis un golem de terre. Si tu as bougé à la fin. À la toute fin, mais t'es pas battu dedans. Il a pas proc avant. Quand le moment où je te répète le général, à la fin, il a pas proc. T'as bien cliqué sur le général. Il y a eu 2-3 moves de fight qui étaient sympas, quoi. Ouais, bah ça faisait longtemps que j'avais pas fait. À ton début, tu m'as bien baisé. J'avais un peu la main, une main dans le falzar. Avec tu rebootes une fois, deux fois, trois fois le général. J'ai enlevé la main du calbar. J'ai dit, ah, le vieux, il est en train de m'emmerder là. Bah ouais, quand même, joue un peu. Et il dit, putain, ouais, c'est bon, la game de reprise là. Là, l'autre, il est en train de m'attaquer là. Ok, il veut jouer, on va jouer alors. Moi, j'étais avec la France en plus en même temps. Donc, tu sais, je. Après, j'ai les first moves. Enfin, ça devait. Un fight PS où j'ai les first moves, ça n'a pas dû arriver de. Je sais pas. Genre. C'est tellement fort. Il y a plein de fois où je peux reboot ton général juste parce que je le laisse move first move et si t'as pas le réflexe de Shift Hunter, bah t'es niqué genre. En fait, c'est tellement plus dur de jouer en D5. Mais bien sûr. C'est ridicule. Enfin, moi je fais que me plaindre des first move, j'ai l'impression que je suis un aigri, mais t'es un aigri. Quand j'entends Nerevar, le belge, qui me dit que les last moves c'est 6 fois plus fort, j'ai envie de... Bah ouais, mais bon... Le N, il a beaucoup parlé quand même, hein. Ah ouais, le N. Ah ouais. Au moins, ça fait toujours de la rigolade, parce que même 6 ans après, il est là à me dire que les last moves, t'es broken. Il est là, il me dit, mais putain, les Keshik fantômes. Je dis, mais putain, ça fait 3 ans que j'ai pas vu tes Keshik fantômes, là. Putain, ton 90, t'es là, tu peux plus jouer, t'envoies une nuque, le PC, il explose. Mais c'est de bon, fou, hein. De fou, de fou. Ah, je me rappelle de la game de Stéblissé avec 12. Frère, ton 80, toi, il me dit, les mecs, je peux plus jouer.
Il avait des quêtes pour beurre, il pouvait pas tirer, il fait les mecs, ça part pas, bah oh, monsieur, oh là là, je me rappelle, hein, me prendre 10 jets bombeurs de la part de Azagi, Aztec, tu sais, en, je crois que c'était en FFA ou un truc comme ça, sur 4 aérodromes, et je ne pouvais pas jouer, tu sais, je voyais mes villes tomber, genre peut-être 40 secondes après, et lui il m'avait pris 2 villes, 3 villes, et j'étais là, mais what the fuck. Non mais ne t'inquiète pas, les last moves c'est broken, là. C'est broken. Ah, alors, il y a une situation où je suis là, ok, c'est cool, c'est quand t'as gagné le naval et que tu prends les villes navales avec tes frégates. Ah ouais, bah c'est tout. Hein. Oh, mais c'est tout parce que, parce que Lej, toi, tu as un peu de dessin. Moi, je suis l'homme qui n'a plus rien maintenant. Donc, vraiment, j'ai juste le seum pour moi. Voilà, c'est... Et c'est pas genre 4 frégates que t'arrives à D5, parce que ça n'arrive pas. Le mec qui est autant D5, il gagne pas le naval. Enfin, moi, c'est c'est comme ça dans ma tête. Hein. Bah oui, ah ouais. Ah au moins si t'es des 5, au moins t'es comme 12 ou TIM, t'as 30 secondes. Au moins là, bon, ok, il peut se passer des trucs. Ils arrivent dans ton land avec 10 coursiers, tu sais, et voilà. tu ne peux pas réagir. Voilà, mais bon, eux, tu sais que tour 90, ils ne peuvent plus jouer, le PC est en train de brûler. Donc au bout d'un moment, tu gagnes comme ça. Il faut qu'ils gagnent rapidement leur game. Voilà, c'est ça.